Guillaume, réveille-toi. Qu'y a-t-il ? Tu as vu tous ces gens là, dans la cour du château ? Ils sont si nombreux, cela fait des lustres qu'on n'avait pas vu le château aussi bien fréquenté. Que se passe-t-il ? Je l'ignore, mais c'est peut-être le moment, tu ne crois pas ? Tu as raison, Louise. Il faut tout leur raconter. Il s'est passé tant de choses alentour depuis 1000 ans. Guillaume ? Oui ? Nous sommes morts depuis des siècles. Comment pourrions-nous leur parler ? Ne t'inquiète pas. Je connais un moyen infaillible. Regarde ce mur. Il est toujours debout et il va nous aider à transmettre la mémoire. La mémoire ? Oui, celle de nos ancêtres. Le mur va nous servir à revivre. Tu entends, Louise ? Nous allons revivre à travers les ruines. Revivre ! Que racontes-tu ? C'est impossible ! Non, rien n'est impossible. Ouvre les yeux. Regarde bien et écoute le chant du passé. Écoute, écoute. Tout commence il y a fort longtemps. Les premiers siècles de notre ère passent lentement. On survit comme on peut, sans protection face aux tribus celtes et barbares. N'a-t-on pas trouvé à Montrond des tombes mérovingiennes datant du 5e siècle ? Les Gaulois, les Sécanes, ah les Sécanes, battus par les Romains qui colonisent peu à peu le plateau et tracent de grandes routes qui existent encore de nos jours. Elles partent de Vesoncio, passent par Montrond, Malbran, Méré et Villers. On va jusqu'en Italie, paraît-il. Mais après le déclin des Romains, il faut se défendre, s'organiser. Alors on crée les fiefs, les domaines, et on confie la sécurité aux plus forts, aux plus riches. La comté se protège. Elle est vulnérable, elle le sait. Partout, les points hauts se hérissent de tours, de donjons imprenables et de châteaux forts. À tout seigneur, il faut des terres et un château. Moi, Amédée de Neuchâtel, sire de Montrond, décide de bâtir forteresse en haut du mont situé le long du chemin royal, en ce jour de printemps de l'an 1231. Moi, seigneur de Montrond, j'ai droit de vie et de mort sur mes terres. Je détiens haute, moyenne et basse justice. J'ai droit de lever l'impôt. J'ai droit de corvée sur mes sujets. Je jouis des forêts, du gibier sauvage, du poisson, de tous les cours d'eau et des essaims d'abeilles. Je possède des moulins, des fours, des archers. Quant aux grenouilles, je suis obligé de faire battre les marais au pied du château, tellement ces bestioles coassent durant l'été et empêchent mes gens de dormir. Parfois,
Je me querelle avec les abbés. Ces bougres sont bien plus riches que moi. Les monastères de Saint-Paul, l'archevêché et le chapitre de Besançon possèdent de nombreux biens et prélèvent la dîme sans faillir. Il n'y a bien que le monastère de Buillon qui ne se veut plus pauvre que les autres, et encore. Tu es prête, Louise ? Oui. Alors raconte-leur ton histoire. Il est temps. Je suis triste, Guillaume. Mais tu as raison. Il faut leur transmettre mon histoire. J'ai pour nom Louise la Bergère. Je suis jolie, d'après ce que les garçons disent de moi. Je suis jeune et fiancée à un pauvre métayer qui me cherche en mariage depuis fort longtemps. Mais par intérêt, pour me sortir de ma condition paysanne, j'ai préféré une autre union. Alors que mon fiancé était retenu prisonnier dans une contrée lointaine, j'ai accepté de devenir la femme du riche seigneur de Montron. Il est très laid et vieux, mais grâce à lui, je vais pouvoir vivre sans privation. Est-ce si coupable de vouloir mieux vivre ? Après quelque temps, les noces eurent lieu en l'église de Villers. Elles furent célébrées dans le faste et l'éclat, avec un immense banquet où rien ne manquait. Je ne me sentais pas vraiment heureuse, mais j'étais devenue baronne. Vers minuit, alors que je me dirigeais vers la chambre nuptiale, un bras vigoureux m'emmena au dehors sur un cheval. Je ne compris rien à ce qui se déroulait. C'était pourtant le diable en personne qui m'emportait dans son sinistre royaume pour me punir de mon parjure. Maintenant, je regrette. Nous étions au cœur de l'hiver, la neige recouvrait le sol,
Mes traces de pas restèrent visibles et servirent à diriger les recherches le lendemain matin. Le Seigneur et ses gens arrivèrent devant le gouffre. Ils retrouvèrent au bord du précipice une de mes pantoufles et des débris de parure qui avaient orné mon cou. Puis, pour constater ma mort, plusieurs villageois courageux descendirent dans le gouffre en prenant tous les risques. Mon cadavre gisait sur un banc de roche en saillie. Enfin, pour témoigner de leur macabre découverte, ils coupèrent le doigt qui portait ma bague de mariage. Ainsi fut nommé ce gouffre où j'ai trouvé la mort si tristement. Ainsi fut nommé le puits de la belle Louise. L'histoire est souvent avare de paix. En 1634 éclate la terrible guerre de 10 ans, épisode comtois de la guerre de 30 ans. Louis XIII convoite la comté et la fait envahir. En 1637, le duc de Saxe-Weimar et ses troupes détruisent tout sur leur passage. On les appelle les Suédois, les Gris, les Chouettes. Ce sont surtout d'odieux bandits en mal de pillage et de meurtre. Plutôt que de s'attaquer de front aux villes, trop difficiles à prendre, ils ruinent les villages, incendient, pillent, violent, tuent à l'envi, détruisent les cultures, les maisons, les croix, les églises. À Montrond, la maison curiale est incendiée et le bétail brûlé vif. Le pays sombre lentement dans le chaos. On se réfugie dans les grottes et dans la forêt que l'ennemi ne connaît pas. À Ruray, une fille qui est sur le point d'être capturée par les Suédois préfère se jeter dans le vide. Ce lieu s'appelle encore de nos jours le sceau de la pucelle. La famine revient ainsi que la peste. À Villers, le tiers des habitants a décimé. Et le compte est le même dans tous les villages. Tout est à reconstruire. Maudit soient ces seigneurs allemands. Maudit soit Saxe-Weimar. Moi, seigneur de Montrond, je suis maintenant sur le déclin. Mon château est en ruine depuis plus de 100 ans et je n'y vis plus. J'ai d'autres lieux de vie plus somptueux, plus confortables, et des dizaines de domaines que je partage grassement avec l'Église. Un nouveau monde s'organise pourtant, mais je n'y participerai point. Je suis trop vieux et las de me battre. Mes biens sont maintenant confisqués. Et c'est encore un miracle si on ne m'étripe pas en place publique. 1000 ans de féodalité viennent de prendre fin. Je n'ai pas le sentiment d'avoir abusé, mais le peuple en a assez. Je ne le comprends plus. J'ai honte. J'ai mal. Qu'importe. Le monde que j'ai connu, celui que tous mes ancêtres ont connu, est mort. Je ne suis plus un seigneur. Je ne suis plus un noble. Tout cela est fini.
La Révolution chamboule en profondeur l'organisation de l'Église en la privant de ses biens. Les hommes qui la représentent doivent prêter serment à une constitution civile qui date de 1790. D'énormes cas de conscience apparaissent, tant pour les religieux que pour les fidèles. Mais nombreux restent attachés à la vraie foi et ne sont pas du tout des partisans convaincus du nouveau régime. De nombreux prêtres refusent de se rallier à cette constitution, prétextant dépendre de l'Église et de Dieu seulement. En réponse, on poursuit sans relâche les curés qui ne composent pas avec la loi. Ils deviennent alors des prêtres réfractaires. Ils sont traqués, surveillés par les gendarmes, traduits en justice, emprisonnés, exécutés ou déportés. Ces mesures anticléricales sont plutôt mal accueillies sur le plateau. La plupart des paroissiens n'en veulent pas. La paroisse de Villers fait exception, du moins au début, car les idées nouvelles ne déplaisent pas. Mais les excès des révolutionnaires vont les faire basculer dans le rejet du nouveau pouvoir. Alors la résistance est passive, discrète, mais réelle, même si les officiers de Montron se révèlent très actifs en multipliant les contrôles pour débusquer les prêtres. Pourtant, bien des religieux vont passer au travers des persécutions. Le curé Joliclerc de Villers, dénoncé et révoqué en mars 1791, continue malgré tout d'exercer en secret. Bien qu'éloigné des grands axes de passage, Malbran connaît malgré tout son lot de dénonciations de prêtres insoumis. Les habitants sont perçus par le pouvoir révolutionnaire comme des fanatiques et des royalistes. Ruret, qui forme une paroisse avec Épeny et Cadmen, constitue également un foyer de résistance contre-révolutionnaire. Durant une nuit de 1797, l'arbre de la liberté d'Épeny est sectionné, puis remplacé par une croix de bois. Les prêtres Gautier et Sibéron n'ont pas prêté serment à la Constitution. Ils sont obligés de se cacher. À Cadmen, les autorités mentionnent le village comme un repère du vicaire Gautier. Pendant 6 ans, on rapporte d'ailleurs que cet abbé était d'une force herculéenne. Un jour, alors qu'il lisait son bréviaire aux abords d'un abîme, peut-être le puits vous vougiez de Malbran, deux gendarmes vinrent à lui pour le faire prisonnier. Mais le curé leur répondit qu'ils n'étaient pas assez nombreux. Les agents, piqués au vif, lui intimèrent l'ordre de les suivre. Puis, devant son air débonnaire, tentèrent de le saisir. Mais le curé leur dit qu'ils étaient bien trop faibles pour l'arrêter. Alors que les gendarmes se rapprochaient, plus déterminés que jamais à faire taire ce curé hautain, il les attrapa par le bras et les menaça de les suspendre au-dessus de l'abîme. En échange de sa grâce, le curé obtient que les gendarmes s'en retournent bredouille, ce qu'ils firent sans rechigner tant ils avaient eu peur de mourir. Alors, je voudrais vous parler, je vais essayer de vous parler, mais le sous-titre là, je le vois, hein, je le vois, donc vous le changerez après, ce serait bien. Donc, je voulais vous parler du sort du paysan après la Révolution. Alors, évidemment, heureusement pour lui, son sort s'améliore,
Après 1000 ans d'autorité seigneuriale, il y a de nouvelles libertés qui arrivent. Alors bien sûr, ça ne se fait pas forcément dans le calme, puisqu'il y a une chasse aux prêtres réfractaires, il y a tout un état à mettre en place. Mais malgré tout, on construit de plus en plus, les techniques agricoles s'améliorent, la mortalité infantile diminue, si bien que la population augmente. Et elle va augmenter d'une manière très significative tout au long du XIXe siècle, à un point qu'on n'a même plus assez de terres, qu'on partage d'ailleurs avec les bêtes, on n'a même plus assez de terres pour nourrir tout le monde. Il y a énormément de monde, il n'y a pas eu de guerre depuis un certain temps, et ben, il va se mettre en place tout doucement un certain exode rural qui va être une véritable catastrophe pour tout le pays, puisque la population se vide de moitié quasiment, et maintenant la prospérité ne se trouve plus dans la campagne, elle se trouve essentiellement en ville. Et cet exode rural qui va commencer vers 1860 va s'étendre quasiment plus d'un siècle, hein, jusque dans les années 80 où on va commencer à revoir un petit peu la population revenir en campagne.
Hey, sérieusement, c'est la pub comme ça, c'est chiant. Hein. On est dans une soirée historique là. Pour les journées du patrimoine, tiens, attends, je vais essayer de. C'est quelque chose là. Ah, pense-tu, mais il n'y a rien qui marche. Bon, bah tant pis, on va attendre. Hein. On va attendre la suite du programme. Le son du terroir, cette région, c'est ton histoire. Monte le son du terroir, qu'on l'entende de Pontarlier à Montbéliard. Écoute le son, c'est le son du terroir, cette région, c'est ton histoire. Monte le son du terroir. I want something just like me.
La healer, la healer, la healer.